la team, bien ou quoi? Finale! Et une très bonne nouvelle pour la France, les gars. Idriss n'a pas mis le maillot du PSG, normalement ça devrait passer. Très bonne nouvelle. Bon, je dirai après. Mais j'ai pas mis le pari aussi. Il a pas parié Global Bet Club, il a pas parié. Ah, les gars, super. Mettez votre PEL sur le prono du jour du GBC. C'est le bonsoir, les frères. D'ailleurs, on peut parler directement du prono de Global Bet pour une fois. Vas-y, allez. Global Bet Club ce soir, c'est PSG ou nul à 1,85. C'est en manuel. Elle est un peu plus élevée quand tu joues en manuel. Manuel, en gros, tu mets un peu de ta mise sur PSG, un peu de ta mise sur nul. Et ça te fait une meilleure cote que si tu joues PSG ou nul directement. Ah, et moi, j'ai Bayern Munich. Et. T'as oublié, oh, t'as oublié mon neveu. J'ai oublié de le présenter. Je te dis ça. T'as oublié mon neveu. Oh, t'as oublié mon neveu là. Oh, t'as oublié son neveu. Désolé frère, doucement. Bienvenue à Tolga, le neveu d'Idriss. Merci les gars. Bienvenue à toi. J'espère qu'on va passer un bon match ensemble, que tu vas nous faire de jolies réactions. T'es pour qui? Paris. Et toi? Paris. Et toi? Paris. Ah mais tout le monde est pour Paris. Bah oui, tout le monde Paris ici en plus. Bon après j'ai mis Bayern moi, juste parce que quand je mets le pari de Il fait que des toute sa vie, Pélo. Les gars, vous savez, je suis un chat noir. Du coup, j'ai mis le contre Paris de Global Bet Club. Okay. J'ai mis Bayern Munich qui gagne, mais en espérant qu'ils gagnent pas et que Paris gagne. C'est pas grave si je perds des sous. Mais voilà. Bon bah super les gars, on espère une grosse finale. Petit changement. Beaucoup de buts. Ce soir, on regarde sur TF1. Ouais, le meilleur commentateur du coup. Bah, je pense que tout le monde regarde sur TF1. La plupart des gens n'ont pas RMC Sport. Ah bah ouais, bah s'il te plaît, c'est moi qui paye RMC Sport. Tu peux l'annuler tout de suite maintenant. Il y a des champions. C'est pas toi qui le paye, arrête de mytho. C'est toi. Pas si c'est ton adresse mail que c'est toi qui paye, gros. Tu sais très bien. Alors arrête. Bon, ouais, trêve de mythonnerie, les gars. Les gars, si vous voulez les logs RMC Sport d'Idriss, un message dans les commentaires. Allez, les gars, on est parti. Les gars, la finale devait être à Istanbul, mais à cause du Covid, c'est à Lisbonne. C'est ça? Oh! Oh! Il joue très très bien, il est vrai qu'il y a frère. Oh, Y'a Neymar. Oh, Neuer, il est trop fort. Neuer, l'arrêt. Neuer, c'est hardcore. Lewandowski. Le poteau, deuxième action du match. Franchement, c'était bien tiré. C'est comme ça, revenir et tirer comme ça. Ouais. Oh, c'est un match équilibré. Oh là là, mais ça c'est beau ça. À droite. Di Maria. Oh. Mais son pied droit, Di Maria. Ah ouais, le pied droit de Di Maria. Par contre, ils ont trop bien joué. Hein. Franchement, j'ai rien à dire. Magnifique. Oh, débile, toi. Oh. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est lourd. Pourquoi il a mis une vieille frappe? Mais en dessous de la cage, t'as pas les... Mais attends, c'est un tournoi du match, regardez, c'est un tournoi du match. Oh, Navas! La main ferme. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Non, Neuer il est tout le temps là en vrai. Ouais, Neuer c'est un DC, Neuer! Libéro! Oh, il est trop fort, Thiago, la vie de moi, c'est le... il est trop abusé. Oh. Y'a penalty! Il n'y a pas pris. Quoi? Attends, depuis tout à l'heure. Mais c'est n'importe quoi là! Il a mis une fuite! Il a vite mouillé, il y a pénalty normalement! Mais il y a pénalty, regarde, il a la main sur lui! Il a la main là, frère, il y a péno 100 fois! Dis-cam! Il y a péno! Mi-temps, les Parisiens se sentent bien. Ah, très bien même, frère, je peux te dire. Ah, franchement, les mecs, on vit une finale haletante. Bah après, c'est bien, c'est mieux pour Paris, parce que avec ce qu'ils ont loupé, le pénalty là, ils seraient pris, ils seraient dévastés, frère. Franchement. Là, franchement, les gars, il y a un gros niveau. C'est serré. C'est série comme ça, genre, franchement. Franchement, ouais. Bah, Paris, après, Paris, ils ont eu les meilleures occasions. Ils font que de contre-attaques. Paris a eu les meilleures occasions. Paris a eu les meilleures occasions. Je pense que Lewandowski, la place de Mbappé ou quoi, il les met, hein, frère. Bref. Ça, mais... On va attaquer la deuxième période dans quelques instants. A tout de suite. Oh, le joli centre. Oh, le joli centre. Oh, l'ouverture du score. Poussé. Coman de la tête. En plus, Coman qui est. On l'a critiqué avec Idriss. On l'a critiqué en plus. En plus, c'est celui qui est... Ouais, c'est ça le pire. C'est ça qui fait le plus mal, je pense, pour Paris. Mais après, c'est vraiment très bien joué. Kimmich, le centre. Magnifique. Franchement, rien à dire. Bon, c'est pas grave, c'est pas fini, les gars. Et ce qui est triste, c'est que c'est Coman qui marque, en fait. Ça met en... les Parisiens. Assez logique. Hein. C'est pour ça qu'en fait, il l'a laissé, je pense. Il a mis à la place de Perisic, puisque vu qu'il a l'envie de gagner par rapport à Paris, ça lui fait une revanche, genre. Eh ben les gars, Paris vont peut-être se mettre à jouer, hein. À part contre-attaquer tout le match, on n'a pas vu grand-chose de leur part, honnêtement. Oh. Elle est belle!
Oh, mais Mbappé, je sais pas ce qu'il a, gros. Touche-la un peu, je sais pas, moi. Oh lolo. Oh lolo. Oh. C'est passé pour. Angel. Ah, mais y'a pas de. T'inquiète. Oh lolo, Angel. Oh la vie de ma mère. D'ailleurs, il fait sa mur, frère. Il est trop fort, Di Maria. Oh, là. Ouais, c'est grave, il est trop fort. Mid. Mais t'as vu. Oh, pas d'enjeu non plus pour Neymar. Qui peut se retourner. Oh, 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 Choupo. C'était son moment de briller. Non, la vie c'était le moment de mettre un petit coup. Ah. Eh ben bravo le Bayern là, franchement. Écoute-moi bien, j'applaudis parce que c'était un bon match, on va dire ça comme ça. Il y a eu, bon, c'est vrai que des fois c'était ennuyant, mais il y avait beaucoup de... Franchement les deux, ils ont loupé des occasions. Sauf que le Bayern, frère, ils avaient été plus, plus réalistes. Ouais. Réaliste, après, ouais. Paris, ils peuvent s'en vouloir parce que, frère, ils ont beaucoup de cases hein, devant la cage. Ouais. Et surtout celle d'avec Mbappé, je pense que c'est le plus regrettable de tous. Je pense que tout Paris, va avoir l'amour contre Mbappé, à mon avis. Parce que Neymar qui a fait un match de merde aussi. Ouais. Non, honnêtement, les gars, Bayern, ils ont mérité. Bravo à eux. Johan, hein. Un petit commentaire à ajouter. Bon, donc, bien. Et 9 sur 9, on s'arrête là. Maintenant, du coup, on est en 9 sur 10. On a perdu ce prono sur la Bet Club. Ça arrive de perdre. Le Paris dernier. Sportif, on n'est pas tout le temps gagnant, c'est sûr. Moi, j'étais pas chaud. Franchement, je sentais pas ce pari. Après, Yohan, il m'a dit n'écoute pas ton cœur, écoute ton pronostiqueur. Comme dirait un grand. Pas mal. Ouais, bon, fallait pas ce soir, malheureusement. Mais bon, ce soir, fallait écouter. C'est la loi des paris sportifs, bien évidemment, ça c'est pas très grave. Je suis déçu pour Paris, s'ils ont en première mi-temps en fait, surtout Mbappé qui rate son action. Tu peux pas remettre tout sur une action. Non mais en première mi-temps, ce qu'ils ont montré, c'est globalité, c'est qu'ils ont montré en première mi-temps, c'est que il y avait la place en fait, c'est ça le problème. J'ai juste à dire aussi. Mais bon, Bayern trop fort, quoi. Rien à dire. Neuer trop fort aussi. Mais ouais, exactement, Neuer incroyable. Et c'est que Paris en stress aussi les frères. Moi j'ai trouvé qu'ils étaient, ils faisaient pas les bons choix en fait. Il y avait des gars tout seuls, je sais pas ce qu'ils faisaient, bref. Bon après c'est dommage pour Lewandowski, hein. Il aurait le ballon d'or sur là, je vous le dis. Ouais, c'est bien fait douiller Lewandowski. Après ce qui est triste dans l'histoire, c'est que c'est Coman qui marque pour les Parisiens. Putain c'est pire ça. C'est le seul but. Déjà tu perds contre le Bayern, c'était triste, et perdre avec un but à 1-0 de Coman, ça devient encore plus triste pour les Parisiens à mon avis. Les gars, la bonne nouvelle c'est que vendredi, il y a Koh-Lanta qui revient, les 4 terres, voilà. Ligue des champions est terminée, mais Koh-Lanta est de retour. Du coup, vidéo réaction Koh-Lanta sur la chaîne de Yo. Ouais. Vendredi à minuit, ça sort. Ouais. Allez les gars, c'était la fin des vidéos réaction Ligue des champions. C'était la fin tout court, je pense. On verra l'année prochaine. Bah oui. Exactement. Bah oui. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. À bientôt. Désolé pour le prono perdant, mais on peut pas gagner tout le temps. On n'est pas des mythos, les frères aussi. Hein. Quand on perd, faut être avec nous. On avait 9 victoires sur 10 d'affilée. Franchement, c'est des très belles statistiques, c'est pas grave. Ah oui. Clairement, ouais. Et on était voilà, un peu chauvin ce soir, on voulait quand même que voilà, PSG ou nul, bref, c'est pas grave. Ça aurait pu, hein. Ça aurait pu, bien évidemment, vu le match. Peut-être que les pronostiqueurs, ils ont fait parler leur cœur. Ah, ils veulent faire une outro de 48 minutes. Encore, Faïs, hein. Non, mais dans le. Toi, t'as pas écouté ton cœur, mais le pronostiqueur ont écouté leur cœur. Non, ils écoutent pas leur cœur, c'est des professionnels. Je rigole. Ils parient jamais avec leur cœur, c'est la pire des choses à faire. Bref, l'équipe, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao, ciao.